Amidal Crossing New Life, épisode 2 du discours. Dans l'épisode précédent, Amy a pris son indépendance en quittant le nid familial. En prenant le train, elle a rencontré un étrange personnage qui l'a conduite jusqu'à Zunderland. Cependant, en arrivant là-bas, tout le monde croit que Amy est le nouveau maire de la ville. Elle a accepté le rôle à contre-cœur, mais maintenant elle doit trouver un endroit où dormir. Elle va donc voir Tom Nook de la boutique Nook Immobilier pour régler ce petit souci. Alors, votre nouveau foyer vous plaît ? Bon, je suis contente dans ce cas. Mais n'hésitez pas à parler de Nook Immobilier à votre entourage. Oui, je vous en prie. Au revoir. Eh bien, pour ton troisième jour de travail, tu as l'air de te débrouiller à merveille. Oui, bah, surtout que sa demande n'était pas très simple. J'ai dû refaire la map monde à la main sur le mur de son salon. Je te jure. Je m'en doute. Tu sais placer l'Ouzbékistan, toi ? Nook Immobilier, mal appareil, j'écoute. Maman ? Mais pourquoi tu m'appelles au boulot ? Je t'ai dit de ne plus me contacter. Amy a fait quoi ? Alors, si je suis bien la carte, Nook Immobilier se trouve... je crois que c'est ici. Faudrait que j'arrête de fixer cette carte comme ça quand je me repère. Bonjour ? Ah, du flou. Une cliente, Danamo. Danamo ? Oui, Danamo, à toi aussi. Que puis-je pour toi ? C'est vous, Tom Nook ? C'est moi. Pourquoi ? Qui le demande ? Si c'est les huissiers, c'est pas moi. Ah oui, en effet. Vous êtes un tanuki. Je m'appelle... Attends, je pose mon doigt sur ta bouche. Laisse-moi deviner. Tu es Amy, le nouveau maire de Zunderland, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comment avez-vous deviné ? Ben, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Bah, vous n'avez pas de doigt, vous avez des patounes. Non. Marie a appelé tout à l'heure. Tout dit. Hop. Compris ? Quoi ? Non, mais ignore ce qu'a dit cette marmotte. Le mec qui vend des assurances. Le voleur type, quoi. Moi, balette. Ouais, c'est ça, ouais. Marie m'a dit que tu voulais une maison. Je me trompe, Danamo ? Oui, c'est ça. Et bien évidemment, comme je suis une mère, c'est gratuit pour moi. Hein ? Hein ? Mais ça veut dire quoi, gratuit ? Que je ne paye pas, que je ne vous donne pas d'argent. Désolé, mais ce mot ne fait pas partie de mon vocabulaire. Pardon ? Écoute, c'est très simple, je vais te citer la règle d'or de l'établissement. Ici, la maison ne fait pas crédit, donc aboule le flouze. C'est quoi cette règle d'or ? Bref, mère ou pas, tu dois payer, Danamo. Ah, fichtre. Par contre, est-ce que tu as déjà choisi l'emplacement de ta maison ? Non, je n'ai pas eu le temps de visiter Zunderland. Désolée. Ah, eh bien, pour une mère, tu n'es pas très efficace. Et oh, je viens d'arriver, ok ? Bon, voyons ça ensemble en ville, si tu veux bien. D'accord. Allez, viens, c'est par ici. Là ? Il y a trop d'arbres ici. Là ? Il y a déjà la mairie. Là ? C'est l'océan ici ! Là ? Non mais c'est trop proche de la falaise là, je veille à la sécurité de mes clients. Là ? Non mais on est en plein milieu des rails, t'es suicidaire ou quoi ? Tu veux te faire écraser par un train peut-être ? C'est pas un train qui arrive justement ? Hein ? Oui. Oui, ça a l'air d'être un train effectivement. C'est l'emplacement parfait. En plus, la mairie se trouve juste derrière. Rien de mieux pour toi. Alors, on va mettre des piquets. Toc, toc, toc. Ah, voilà. Comme ça. C'est parti. C'est pour Amy. Voilà. Ah, si vous le dites. Bref, parlons affaires. Ok, j'ai peur. Donc, si l'on compte le coût du terrain, des matériaux, de la main-d'œuvre et quelques trucs en plus, comme mon bien-être personnel, eh bien, c'est un calcul complexe, à vrai dire. Et là, comme ça, je peux pas te sortir un chiffre à la volée. Donc, nous verrons cela plus tard, si tu veux bien, Danamo. Ouf, je suis tranquille quelques temps. Bon, vu que tu es le nouveau maire, tu dois avoir du travail. Donc, je vais te laisser. Allez. Attendez ! Et ma maison ? Où je vais habiter ? Ah oui, c'est vrai. Eh bien, j'ai la solution, ne t'inquiète pas, Danamo. Laisse-moi quelques instants. Et voilà ! J'ai pas plus rapide. C'est... une tente ? Oui, en attendant que les travaux soient terminés. Je vais devoir faire du camping. Génial. Et je te rajoute cette boîte lettres pour recevoir du courrier. Alors... Et puis c'est pas tous les jours qu'on voit une tente avec une boîte lettres, hein ? Hein, Danamo ? Ah, c'est drôle. Bien, maintenant qu'on a terminé cette histoire de maison, tu peux retourner à tes activités de maire et terminer ton inscription. Entre-temps, je vais plancher sur le montant de tes travaux. Alors, repasse me voir plus tard. Très bien. En tout cas, merci pour ta confiance. C'est très gentil de ta part, Danamo. Quelle confiance ? Au fait, avant de te laisser,
Tu connaîtrais pas une certaine Emma? Emma, vous dites? Oui, je connais une Emma qui travaille pour une autre de mes nombreuses agences. Et il se trouve que sur son bureau, il y a un cadre avec une jeune fille qui te ressemble énormément, Danamo. Désolée, je ne connais pas d'Emma. Ah, ça doit être quelqu'un d'autre alors. Bon, sur ce, hein, Danamo. La 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 da da da. Emma. Pas elle. Coucou, je suis reviendue. Oh, mademoiselle Amy, déjà de retour? Alors ça y est, vous avez trouvé votre petit coin de paradis? J'habite sous une tente pour le moment, donc je pense que je peux encore attendre pour mon petit coin de paradis. Merveilleux, ça fait plaisir à entendre. Ouais, enfin, chacun son point de vue. Bien, passons à votre inscription dans le registre. J'ai déjà commencé à remplir le formulaire pour vous. Ah bah ça, c'est gentil. Je suis là pour ça. Et du coup, il me manque les informations suivantes. Votre nom de famille, votre date de naissance, votre signe astrologique, votre groupe sanguin, vos allergies, votre couleur préférée... Et je crois que c'est tout. Ça en fait des informations manquantes, hein. Oh. Je vois que je suis vraiment obligée de donner mon nom de famille. Je m'appelle Amy Dahl. Il est bizarre votre nom de famille. Ouais, bah je l'ai pas choisi. Bref, je suis Gémeaux, mon groupe sanguin c'est O+, je suis allergique aux piqûres d'insectes, oui, j'adore la couleur bleue et je crois qu'il manque mon jour de naissance. C'est le 14 juin 2010. Le 14 juin 2010. Mais attendez, le 14 juin, c'est aujourd'hui? Faut croire que oui. Vous n'êtes pas sérieuse? Bah si, pourquoi? Il faut absolument organiser une fête en votre honneur. Mais avant ça, je vous donne ceci. Qu'est-ce que c'est? Il y a mon nom dessus. C'est votre carte de résident. C'est un peu comme une carte d'identité chez vous. Gardez-la bien, c'est très important. C'est la preuve que vous êtes officiellement une habitante de Zunderland. Trop bien! Ta-ta-ta-ta! Pourquoi vous dansez et applaudissez des mains? Je ne sais pas, un réflexe. Pendant que je prépare tout pour votre anniversaire, j'ai une dernière faveur à vous demander. Vous allez me demander de travailler dans la supérette d'à côté pour faire connaissance avec le voisinage? Ce serait plus Tom Nook qui vous demanderait de faire ça. Non, je vais vous demander de m'écrire un discours. Hein, mais pourquoi je dois faire ça? Vous êtes le nouveau maire maintenant. Et pour célébrer ça, vous allez devoir faire un discours sur la place centrale de la ville. Disons que c'est une coutume chez nous. Mais j'ai jamais écrit de discours, même pas à l'école. J'aurais bien aimé vous aider, mais je dois faire les préparatifs pour votre fête d'anniversaire et la célébration du nouveau maire. De fête en une? Bah bonne chance. Vous avez besoin d'un coup de main? Non, ne vous inquiétez pas. Max, mon frère, va m'aider à organiser. Vous avez un frère? À vrai dire, j'en ai quatre autres, mais disons qu'ils ne sont pas ici. Seul Max est resté avec moi. Après tout, on est jumeaux. Je vois. Mademoiselle Amy, ça va? Vous êtes toute tristounette. Oui, ça va. Je repensais à quelque chose. Je vais écrire de ce pas ce discours. Bonne chance. Toute la ville de Zunderland est avec vous. Ouais. Ouais. Un discours. Comment tu veux que j'écrive ça? Toc toc. J'ai pas de porte, mais entrez. Bonjour madame la mère. Bonjour madame l'écureuil. Appelle-moi Rachida comme tout le monde. D'accord Rachida, tu es venue pour quoi? Je suis venue te voir pour faire ta connaissance, mais on dirait que ça n'a pas l'air d'aller. Ah bon? Oui, tu es toute rouge à force de réfléchir, on dirait une tomate avec des couettes bleues. Disons que Marie m'a demandé d'écrire quelque chose, mais je n'y arrive pas. Tu dois écrire quoi? Un discours. Le problème c'est que je ne connais pas très bien Zunderland, je suis ici que depuis quelques heures alors... Comment t'expliquer Zunderland en peu de mots? Zunderland est une ville peu peuplée, mais extrêmement solidaire. Tout le monde rend service aux autres, on s'entraide tous comme on peut, justement parce qu'on n'est pas nombreux. On aide toujours quelqu'un qui a des problèmes, comme toi maintenant. Ça fait des années que j'habite ici. J'ai vu tous les habitants partir un par un, malheureusement, à cause d'un manque de maire. Attends, il n'y avait pas de maire avant moi? Si, mais pour une raison inconnue, il s'est volatilisé. Et depuis, Marie lutte pour tout gérer. Mais maintenant, c'est terminé tout ça. Merci. Grâce à toi, je pense que je vais pouvoir écrire ce discours. C'est vrai? Oh, je suis contente. J'ai hâte de l'entendre dans ce cas. À tout à l'heure. Oui, à toutes. Tout est prêt, Max? Parfait, je vais la chercher. Pas la peine, c'est bon, je suis là. Ah, mademoiselle Amy, ça va?
Pas trop nerveuse? Un peu, mais ça va. Vous n'avez pas une meilleure tenue? Non, désolée, je n'ai pas grand-chose niveau vêtements. Tenez, mettez ceci. C'est une tenue de soirée bleue et une coiffe rose. Merci, mais je n'ai pas d'endroit pour me changer. Pas la peine, faites juste une pirouette. Ok. Waouh, ça marche! Vous n'avez pas ça chez vous? Non, faudrait poser un brevet dessus d'ailleurs. Max me dit que tous les habitants sont prêts à entendre votre discours, mademoiselle Amy. Allez, Amy, c'est rien, tu peux le faire. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le nouveau maire de Zunderland, Amy Hidal. C'est quoi ce nom? Oui, je sais, mon nom est drôle, c'est bon. Bref, si je suis ici, c'est parce qu'apparemment, Zunderland ne possédait pas de maire pour diriger cette ville. Et il s'agit d'un gros malentendu. Non, sérieux? Mais pourquoi elle dit ça? Laissez-moi vous expliquer. Aujourd'hui, comme Marie vous l'a dit tout à l'heure, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire, George. Donc, comme je disais, c'est mon anniversaire et à l'origine, je devais le fêter chez mes parents. Cependant, chez eux, je n'étais plus heureuse depuis un moment. Donc, je suis partie sans leur consentement. Je voulais prendre un nouveau départ. Ensuite, à la gare, je ne savais pas vraiment où aller et une espèce de chat bizarre m'a embarquée dans un train en direction de Zunderland. Ensuite, quand je suis arrivée, ma première réaction était « Mais pourquoi tous ces animaux parlent ?» Puis, vous m'avez tous acclamé, les étoiles dans les yeux en me voyant. Parce que vous aviez cru que j'étais le nouveau maire. Mais à ce moment-là, je n'étais non, pas du tout. Non mais sérieux, à un moment, elle dit que ça ne se fait pas. C'est inacceptable. Je ne peux pas accepter cela. Mais Marie m'a expliqué la situation et au final, j'ai fini par accepter. Au début, je n'étais pas trop motivée pour l'être, à vrai dire. Mais ensuite, j'ai parlé à une des habitantes de Zunderland et... Hé, tout le monde, c'est moi. Et oui, Rachida, oui. Elle m'a parlé de tous les bons côtés de la ville. Comme quoi, vous êtes tous solidaires malgré le peu d'habitants. Et sachez que ça va continuer et que je vais aussi essayer de ramener de nouveaux habitants au sein de cette ville. Je peux vous le garantir. Et je vais faire en sorte que Zunderland grandisse aussi bien que cette pousse d'arbre. Marie m'a parlé des coutumes de la ville. J'ai un peu étudié vos archives et j'ai vu qu'à l'arrivée d'un nouveau maire, on plantait une pousse d'arbre sur la place de la ville. Mais vu que le dernier arbre est mort et que l'ancien maire a disparu, j'ai décidé d'en planter un nouveau avec vous. Qu'est-ce que vous en dites? Ce que je pense d'Amy? Bien que j'ai eu peur tout à l'heure pendant son discours, finalement je pense qu'elle sera le meilleur maire que Zunderland aurait pu rêver. Merci tout le monde. Maintenant, je souhaite que la ville de Zunderland devienne meilleure. Et je sais que je ne réussirai jamais sans vous tous. Donc je compte sur vous. Oui. 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 Oh oui, meilleur que Tortimer, ouais, ça ne fait aucun doute. Franchement, c'était génial. Maintenant, ouvrons les cadeaux. Oui. Alors, commençons par celui-là. Alors, comment on l'ouvre? On arrache le papier comme ça? Pas besoin d'aide, Amy? Non, c'est bon, j'ai pas besoin d'aide. Je vais y arriver. Alors, je crois que j'ai réussi. C'est un lit ananas? Ouais, tu peux dormir dedans. Et si tu as faim, tu peux aussi manger le meuble. Ah, merci, Georges. Maintenant, celui-là. J'ai pris le coup de main. Voilà. Une pelle? Oui, je me suis dit que comme tu viens d'arriver, tu ne dois pas avoir trop d'argent. Du coup, pour t'aider à en gagner, je t'offre ça pour que tu trouves des fossiles afin de les revendre. C'est l'un des meilleurs moyens pour gagner de l'argent facilement. Bonjour, je suis Julien, et je viens vous aider à gagner de l'argent facilement. On t'a pas sonné. Très bien. Hé, vous! Oui, vous! Bonjour, je suis Julien, et je viens vous aider à gagner de l'argent facilement. Hé, mais ça m'intéresse ton truc, Danamo. J'adore le flouze. Vas-y, explique-moi. Comment tu fais? Je suis tout ouïe. Ah, c'est très bien. Moi aussi, j'aime l'argent. Eh bien, c'est très simple. Venez, je vais vous montrer. De là, vous aurez une formation et des outils pour pouvoir faire des placements financiers à haut fort gain. Mais c'est super! En tout cas, merci Rachida. Y'a pas de quoi. Ensuite, voilà. Une canne à pêche? Ouais, ça peut t'aider à manger. C'est important de manger dans la vie, hein. Le gras, c'est la vie. Ouais, merci Christine. À ton service. Après, alors,
Hop, on va prendre celui-là. Des pages de cadeaux, Alors, une robe d'été? Oui, ce sera toujours mieux que ce que tu portes. Après, chacun ses goûts. Hé, ne parle pas d'une nouveau mère comme ça. Et puis, c'est pas elle qui choisissait ses vêtements. Ouais, si tu le dis. Sinon, merci Olivia. Tiens, on va prendre celui-là. Alors, hop. Une armoire moderne? Oui, pour éviter que tu mettes le bazar chez toi. C'est toujours pratique d'avoir du rangement chez soi. Oui, c'est vrai, tu n'as pas tort. Merci Nadine. Vous avez appris le nom des villageois aussi rapidement? Pendant que vous prépariez la fête en mon honneur, j'ai pas mal fouillé les archives et les registres. Eh bien, félicitations! Et enfin, pour finir ça, c'est de nous tous! Une enveloppe? Il y a quoi dedans? 1000, 5000, 10000, 20000, 30000, 40000 clochettes? C'est pour débuter. Je pense que vous aurez besoin d'argent pour vivre pendant quelques jours le temps que vous gagnez vous-même de l'argent. Mais, c'est quoi des clochettes? Hein? Vous n'utilisez pas de clochettes chez vous? Non, désolé. Chez nous, on utilise les euros. Les euros? Mais tu dois venir d'un endroit très loin. Bonne question, sûrement. Ah, je vois. Bah, disons que 40 000 clochettes, c'est un peu une grosse somme. Eh bien, merci à tous. Je pense que c'est le meilleur anniversaire que j'ai pu avoir de toute ma vie. Bah, c'est super content que ce soit ton meilleur anniversaire. Et si tu veux, c'est le rapide. Ah, ça fait du bien de rentrer chez soi. Alors, voyons voir. Facture. Pub. Pub. Facture. Tiens. Mais c'est Amy sur le journal. Elle habite à Zunderland maintenant. Elle serait le nouveau maire. Je croyais que c'était Tortimer qui devait revenir. Elle a l'air heureuse sur cette photo. Joyeux anniversaire, petite sœur. Eh bah, ça s'annonce bien pour Amy. À combien sera le prêt de Tom Nook? Saura-t-elle être un meilleur maire que Tortimer? Va-t-elle manger le lit ananas qu'on lui a offert? Eh bien... Suite au prochain épisode! Hein, mais qu'est-ce que tu fais là? Et c'est moi l'héroïne, je fais ce que je veux. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee.